Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de vos As Barbales. On est à bord de l'Object 705A de Cyrilouti 75. Cyrilou qui va nous montrer un peu ce qu'il peut faire avec ce char lourd tier 10 russe. Très costaud ce char. Mais je vais faire un petit aparté en début de vidéo pour parler en fait de... Parce que en fait j'ai été surpris, halluciné et surpris pour deux choses en fait sur la vidéo de découverte de Project CW que j'ai sorti dernièrement. J'ai été halluciné d'une part parce qu'il y avait une majorité de gens de War Thunder qui ont débarqué dans les commentaires pour donner des commentaires assez négatifs voire haineux envers que ce soit World of Tanks ou Wargaming. J'ai pas trop compris pourquoi. Enfin, déjà, j'ai pas trop compris pourquoi il venait sur ma chaîne, vu que moi, ça fait déjà pas mal d'années que je ne suis plus contributeur de Gaging, de War Thunder, vu qu'on avait été viré comme des malpropres à l'époque. Et malgré ça, en fait, moi, j'aurais justement des choses à dire et des choses négatives à dire sur War Thunder, et vous m'avez rarement entendu dire des données, cracher ma haine envers War Thunder, parce que de toute façon, je les haïs pas, hein, c'est juste une compagnie de jeux vidéo. Y a pas de raison de les haïr. Et en fait, c'est hallucinant, oui, de voir de la haine comme ça. Déjà, je sais pas d'où ils sortent. Et deuxièmement, oui, de voir de la haine, des gens déverser de la haine comme ça vis-à-vis d'un jeu dont ils ne connaissent pas, dont ils n'ont pas testé, qui n'est pas même pas encore sorti, mais sous prétexte que c'est un jeu fait par une compagnie qui a fait un jeu précédent qui ne leur a pas plu ou dont ils ont été déçus, bah du coup ils expriment de la haine envers ce jeu-là, enfin envers ce nouveau jeu-là et surtout envers cette compagnie. Et ça, franchement, je trouve ça débile en fait d'avoir de la haine envers une compagnie de jeux vidéo. C'est un peu comme si vous aviez de la haine envers Milka parce qu'ils mettent ils font du chocolat qui vous plaît pas, ou envers je ne sais pas Renault parce que ils ont pas sorti la voiture que vous voulez, ou enfin vous voyez le genre quoi. C'est, je trouve ça bête. Et et par ailleurs, en fait, si quelqu'un arrive à avoir autant de haine, parce que j'étais... En fait, c'est le niveau de haine aussi qui était assez hallucinant. C'était pas juste une remarque un peu rigolote, un peu méchante envers Wargaming. Et je suis premier à critiquer Wargaming. Mais non, là, c'était vraiment de la haine. Et c'est assez hallucinant. Et j'ose pas imaginer, oui, j'ose pas imaginer quand ces gens-là se sont fait larguer par leurs copines ou larguer par leurs femmes, la réaction qu'ils ont eu. Après, peut-être vous me direz que ces gens qui ont posté des commentaires haineux, bah, ils proviennent tout simplement, ils ont posté leurs commentaires de la prison, tout simplement, parce qu'ils ont peut-être justement très mal réagi quand ils se sont fait quitter. Mais ce qui est très courant de nos jours, les gens, contrairement à 20 ou 30 ans en arrière, ça arrive souvent de nos jours de se faire larguer. Et oui, ça m'hallucine en fait qu'on puisse avoir de la haine envers un jeu comme ça. Si un jeu vous plaît pas, bah suffit de pas y jouer, tout simplement. Il n'y a pas de raison d'avoir la haine envers une compagnie de jeux vidéo, envers un jeu vidéo. La vie est trop courte, quoi. Et il y a tellement de choses contre lesquelles on peut se révolter. Se révolter contre une compagnie de jeux vidéo ou un jeu vidéo, je trouve ça tellement inutile, tellement une perte de temps. Après, vous êtes libre de le faire, mais j'ai pas compris. En fait, j'ai tout simplement. En fait, je fais cet aparté-là parce que j'ai pas compris pourquoi autant de haine envers ce jeu, ce titre qui n'est pas encore sorti. Après, il vous plaît pas, mais s'il vous plaît pas, bah, c'est un free-to-play, vous n'êtes pas obligé d'y jouer. Et s'il vous plaît, bah, testez-le. Mais. J'ai trouvé ça hallucinant, et petite, petite étoile, petite cerise sur le gâteau à celui à ceux, il n'y en avait pas qu'un, à ceux qui accusaient Project CW de copier War Thunder. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, hein. Je ferais juste remarquer que World of Tanks est sorti quand même avant War Thunder, donc s'il y en a bien un, une compagnie qui a inventé le jeu de tank free-to-play avec des chars à grinder, c'est bien Wargaming. Il faut rendre à César ce qui est à César, les gens. Il faut être, il faut être, il faut être,
faut pas se laisser porter par le fanatisme et par votre amour d'un jeu pour vous laisser aveugler en fait et partir dans des délires pareils en fait. C'est quand je vois les commentaires, c'est il y en a certains qui partent très loin quoi. C'est assez hallucinant. Bref, fin de l'aparté. C'était juste pour faire vous dire ça en fait, parce que ça m'a tellement halluciné de voir ça, parce que déjà je savais pas d'où ils sortaient ces gens-là, oui, et puis cette quantité de haine m'a quand même assez halluciné, surtout que bon, War Thunder n'est pas il y a quand même des choses à dire et je pourrais vous en dire dessus, mais en général j'aime pas en fait dire du mal des choses, je préfère les ignorer quand il y a des choses comme ça plutôt que de perdre du temps à avoir de la haine envers des choses tellement puériles. Il y a tellement de choses dans la vie dans la vie de tous les jours, on peut se révolter tellement sur tellement des choses plus graves, surtout à l'heure actuelle, que ces histoires-là futiles. Donc ça m'hallucine en fait. Bref, revenons au jeu de Cyril Outy, parce que c'est quasiment fini, et je m'excuse Cyrilou de ne pas avoir commencé ta partie, mais il la maîtrise d'une main de maître en fait, il est en train de faire mal aux gens qui sont en face, en même temps c'est un tier 8 là, qui est en face, donc bon. Par contre, il y a quand même un super conquéreur qui est en face, un super conquéreur qui risque de... Ah, j'ai pas le droit d'en parler, mais qui risque peut-être d'être modifié d'ici quelques temps. Je vous dirai pas plus, parce que sinon je vais finir sur le front de l'Est. Et j'ai pas envie, il fait trop froid. Et Cyrilou qui décide de s'avancer, les deux équipes sont à peu près à égalité d'un point de vue nombre de joueurs dans la partie. Et lui, il fait une erreur monumentale. Pourquoi montre-t-il son flanc? Nous le savons pas. Je pense qu'il a voulu faire demi-tour et qu'il s'attendait pas à ce qu'ils avancent comme ça. Mais il aurait dû continuer sa marche arrière et pas du tout présenter son flanc. Parce que là, il s'est pris deux doses dans le flanc. Deux Zubu qu'on fait très mal. Et un troisième qui permet de sortir ce char. Super Conqueror qui est très très bon. En hold-on, par contre, sa caisse, comme vous avez pu le voir, est assez tendre. Donc, un char à privilégier en hold-on, comme beaucoup des derniers chars qui ont été sortis sur World of Tanks. Un peu trop, d'ailleurs. Je trouve que les derniers chars qui sont sortis ont un peu trop tendance à être jouables uniquement en hold-on, parce qu'ils ont des caisses en mousse, et ils ont très peu de weak spots, ou des weak spots très petits sur leur tourelle. Donc, je trouve que, oui, devrait faire quelque chose parce que favoriser la méta du hold-on, c'est pas forcément il faut qu'il y ait des chars qui aillent en première ligne et s'il y a des chars qui il faut qu'ils puissent se défendre contre des chars qui sont hold-on, et si les chars qui sont hold-on sont impénétrables, ça pose problème. Donc, monsieur Wargaming, écoutez-moi et agrandissez les weak spots sur les chars qui n'en ont pas ou très peu, ou qui sont très petits. N'hésitez pas, plutôt que de jouer avec des valeurs d'armure ou des valeurs d'obus, n'hésitez pas. Mais après, bon, c'est une histoire sans fin, ces histoires d'équilibrage. Donc, nous verrons bien ce que nous réservera l'avenir, mais c'est un problème qui ne sera pas fixé tout de suite. Les gens, il y aura toujours ce problème, je pense. Surtout que là, la méta, en fait, elle part dans cette direction-là de chars à forte tourelle. C'est la méta actuelle, des chars qui ont des tourelles fortes, qui sont assez mobiles et qui ont un gros DPM. Et du coup, c'est compliqué d'en changer de méta, ça va être très compliqué. Alors que Cyrilou est en train de faire le tour de la colline, il s'est dit bah tiens, je vais contourner, je vais aller voir si le leveu est là, mais le leveu je ne pense pas qu'il est là, vu qu'il n'était pas derrière le super conquérant. Je pense que le leveu a pris ses jambes à son cou, littéralement. Bah non, en fait il était caché derrière la maison, le leveu qui a... Il a tenté quelque chose, hein. Il a senti le souffle fétide de Cyrilou dans sa nuque. Il a tenté la petite reculade tout en tournant la tourelle, mais c'était déjà trop tard. Cyrilou était en train de viser son gros cul de leveu, et il pouvait pas le louper vu la taille de l'engin.
Le RHM qui est à la base, normal, position classique pour un RHM. À la limite, il aurait pu s'avancer avec la FV215B183 ou être un peu derrière sur ces rochers-là. Mais oui, très acceptable quand vous êtes un RHM de rester à la base dans cette position. Le RHM, c'est vraiment un char de buisson. Joli tir sur l'artillerie qui avait été spot et qui tentait de se relocaliser. L'artillerie qui aurait mieux fait de pas bouger parce que en bougeant, je pense qu'elle a cassé son camouflage et que du coup c'est pour ça qu'elle a été spotée. Le RHM, ça va être compliqué de le spot, hein. Surtout que le char de Cyrilou, c'est pas forcément le char qui a la meilleure portée de vue, même s'il a une très bonne portée de vue comme vous pouvez voir sur la map, mais le RHM a un très très bon camouflage, donc il faut vraiment arriver dessus pour le spotter. Par contre, il a une très bonne vue, le RHM, en plus. Mais là, apparemment, il n'est pas là. Sinon, Cyrilou se serait pris déjà des doses. Le Conqueror qui est tout en haut. Conqueror qui vient d'être respoté. Et le RHM qui est parti à la base, littéralement. Conqueror qui a plus beaucoup de vie, qui a vraiment un chouïa de vie, 52 ou 53 de points de vie. Et la FV215B183 qui peut faire mal à Cyrilou. Cyrilou qui est peut-être sorti en un tir par la FV215B183. Cyrilou qui évite l'arme pour ne pas attirer l'attention. Parce que je vous rappelle que... sa vue est basée sur le mouvement à la FV215B183. Non, mais si, en fait, si vous êtes à l'affût et que vous voyez quelque chose, un arbre bouger ou n'importe quoi, forcément votre regard est attiré et forcément ça risque de vous perdre. Ouh, tire. Ouh, il n'est pas sorti. La HE, la FV215B183 a utilisé la HE Premium. Je ne sais plus ce que c'est comme édition. Sur la 215B183. Et c'est de la HE ou de la HE, je ne sais plus. Et n'a pas fait une grande quantité de dommages, 480. Sur le blindage de Cyrilou, il nous reste le Conqueror. Conqueror qui ne regarde pas. Ne regarde pas du tout Cyrilou. Ah, il a tourné sa tête parce qu'il a vu Cyrilou. Et surtout, il a vu que Cyrilou avait très peu de vie. Donc, il s'est dit, je peux peut-être faire un dernier kill avant de partir. Ça permettrait d'avoir un petit peu d'XP. En plus, le RHM qui est derrière le rocher. Donc, Cyrilou qui peut s'approcher tranquillement, furtivement, sans que le RHM ne puisse le voir. Et le BZ qui va le couvrir alors que le RHM a fait sortir l'autre char. Ouh, Cyrilou a réussi à mettre un tir. Ouh, il a eu la chance. Le RHM qui loupe son tir. Le RHM qui est descendu, il aurait pas dû descendre, mais en même temps il était obligé de descendre vu que Cyrilou était sous la dépression, je pense, du RHM. Le RHM ne pouvait pas lui tirer dessus. Et c'est le BZ qui fait sortir le RHM qui était totalement à découvert. Chanceux Cyrilou sur ce dernier tir du RHM. Cyrilou qui nous ramène la Master, la Spartiate, la Mur d'Acier, la Gros Calibre, la Guerrier qui nous aura fait du 7282 dommages, 7 kills, 1540 d'expérience, qui nous aura bloqué 2480 grâce à son blindage et qui nous aura fait du 2027 de dégâts grâce à son assistance, ce qui nous fait du 9300 quasiment de dommages. Très belle partie à Cyrilou dans cet objet 705A, un char costaud qui est pas très subtil à jouer. C'est vraiment le char bourrin, on va dire, mais un char qui fait toujours, hein, qui marche toujours, qui est toujours bon. Après, il faut pas que... Enfin, si, il est toujours bon, parce qu'il est costaud, il tire bien, enfin, c'est un char. Après, c'est un gameplay plus lent, on va dire, par rapport à ce qu'on peut trouver en tier 10, c'est pas forcément le plus mobile. Et pour le deuxième replay, on est à bord de l'objet 263 de Loïc Bois qui va nous montrer ce qu'on peut faire avec ce char que j'ai trouvé
que j'ai toujours trouvé compliqué à mettre en œuvre personnellement. Après, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, mais toujours très compliqué. J'arrive plus à parler. J'ai toujours trouvé compliqué à mettre en œuvre un char qui, quand vous l'avez en face, qui paraît très costaud, suivant le tier dans lequel vous êtes. Forcément, si vous êtes en tier 10, vu que c'est un tier 9, c'est assez. Enfin, ça va, ça passe. Mais si vous êtes en tier 7, notamment, c'est très compliqué à mettre en œuvre, enfin à percer. Et en même temps, quand vous le jouez, il n'est pas si costaud que ça. Après, ce qu'il faut savoir sur l'objet 2-6-3, si vous voulez le percer, c'est qu'il faut tirer dans le mantelé. Contrairement à la plupart des chars, le mantelé sur l'objet 2-6-3 est plus faible que le reste du blindage sur le char. Donc, n'hésitez pas à tirer sur le mantelé quand vous êtes sur ce char. Et puis, le problème de ce char-là, c'est qu'il est gros aussi. Il est assez gros, donc c'est compliqué de trouver un buisson suffisamment gros pour le camoufler. Ou alors, faut rester très très loin, comme le fait Loïc là, pour ne pas être spoté directement, parce que le char est assez volumineux. Donc forcément, World of Tanks, il est logique, hein, plus un char est gros, plus il va être visible, et donc plus son camouflage va être faible, et donc plus vous aurez de mal à le cacher. Pour l'instant, Loïc est dans une position d'attente, il attend, il sait pas, mais vous inquiétez pas, il va bouger après. À un moment donné, il bouge. Si, je vous assure. Mais comme ça, vous pouvez regarder ce magnifique buisson et essayer de déterminer de quelle marque est ce buisson. De quel... c'est quoi comme buisson, quoi? On n'a pas un expert en plantes sur la chaîne qui pourrait nous dire ce que c'est que ce buisson-là par rapport à la forme des feuilles. Est-ce qu'il paraît... Moi, j'ai jamais réussi à me rappeler quelle forme elles ont, les feuilles. C'est des arbres, quoi. Des plantes, je suis pas expert en plantes, moi. Je suis pas expert de grand chose, mais certainement pas en plantes. Ça y est, Loïc bouge. Je vous avais dit qu'il allait bouger. Ah, il s'arrête. Il a pas bougé beaucoup. Loïc qui recule parce qu'en fait il y a une cible qui s'est présentée devant lui. Il s'est dit, tiens, je peux peut-être lui tirer dessus, mais non, c'est pas possible. Ah, là ça va être possible. Il faut juste trouver un endroit où c'est pas rouge, il l'avait trouvé, enfin où c'est pas mauve, il l'avait trouvé. Malheureusement, l'obus est passé complètement au-dessus. Ah, ça va être compliqué, il y a des obstacles, j'ai l'impression, entre lui et le char qui est en face. Ça va être compliqué de le toucher. On peut regarder ses obus en attendant du 270 de dommages et du... Non, du 270 de pénétration et du 550 de dommages. Et en obus premium, d'ailleurs, il vient de switcher en obus premium. C'est du 550 de dégâts aussi, mais 300 mm de pénétration. Ce qui n'est pas énorme, la différence entre les obus standards qui sont à 270 et les obus premium qui sont à 300. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, ça lui a permis de pénétrer le 60 TP. Il n'y a pas grand-chose parce que tous les chars ne sont pas égaux dans World of Tanks. Et certains chars ont une différence qui est totalement abusée entre les obus premium et les obus standards. Et d'autres chars, ils n'ont pas une grosse différence. Et là, 270-300, c'est 30 points de pénétration, 30 mm en plus de pénétration. C'est pas énorme. Point de vue différence d'obus. Et les obus HE, j'ai pas regardé, mais les obus HE, c'est du 750 de dégâts pour 75 mm de pénétration, ce qui est pas grand chose. 75 mm de pénétration pour les légers ou pour l'artillerie à la limite. Le 60 TP qui est en train de prendre très cher, il devrait reculer là. Je comprends pas pourquoi le joueur n'a pas bougé, parce qu'il se prend des tirs de char qu'il ne voit pas, il se prend des tirs de l'artillerie et pourtant il bouge pas, il reste là, il attend. Je comprends pas. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il a pas tiré, Loïc. Là, il y avait du vert. Je comprends pas pourquoi il a pas tiré. Il aurait pu sortir ce char là. Là, maintenant, là. Ah, dommage. Il a loupé un kill, à mon avis, là, Loïc. Il a été un peu trop prudent. Il aurait dû ne pas hésiter et tirer sur le 60 TP. Attention, on a un char qui est un petit peu plus proche.
C'est ça, il a été spot par le WZ111GFT et tout de suite l'artillerie se précipite sur lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas de toit. Et si un tir arrive sur le toit de l'objet 263, bah, c'est un amourak direct. Et ça, les artilleries le savent. Elles ont le séchoir et peut-être un séchoir aussi pour se sécher les cheveux, on ne sait pas. Mais en tous les cas, elles savent que si elles réussissent à faire tomber un obus directement dans le compartiment de l'objet 263, c'est la Morak et c'est une quantité de dommages assurée. Donc c'est pour ça qu'elles se sont précipitées tout de suite sur Loïc. Loïc attend que le... Ah, dommage, il a switché d'obus, il a utilisé intuition, mais même intuition était trop long pour lui permettre de tirer dans le flanc du chasseur de char chinois. Ouh, là par contre, oui, oui, Loïc a hésité. Loïc est repassé en munitions standard, Loïc a hésité là, il est un peu trop hésitant, tout à l'heure il aurait pu avoir le 60 TP, là il a pas fait le tir dans le chinois, après c'est peut-être parce qu'il voulait pas être respoté qu'il a retenu son tir aussi, parce que c'était lui hein, qui était en train de spot le chinois, le chasseur de chars chinois, donc c'est peut-être aussi pour ça, il nous le dira peut-être dans les commentaires, pourquoi il n'a pas tiré, parce que là il y avait des dommages à faire dans un flanc en plus, c'était assez simple. Le T-54 qui s'approche, point de vue... Ah, ils sont plus nombreux dans l'équipe de Loïc que l'équipe adverse. Loïc va pouvoir s'avancer maintenant avec son char, aller au contact avec son char. Il ne faut pas essayer de... Ah, le problème aussi de ce char là, c'est qu'il n'a pas beaucoup de débattement de droite à gauche. C'est un char qui se prête au side-scraping. Mais le problème, c'est que quand vous faites du side-scraping avec, vous n'avez pas assez de débattement latéral sur le canon pour pouvoir vraiment faire du side-scraping efficace. Il a réussi à sortir le char, il est arrivé juste au bon moment. L'object 752 qui est un peu... Bon, lui, il a pas compris, lui. Il n'avait pas compris. En plus, il recule en montrant son cul. L'object 752 qui arrive. Par contre, il est bien abrité, là. Il est bien en hold-on avec son object 263, Loïc. Position parfaite. Par contre, pas position parfaite, point de vue protection de l'artillerie. Là, il est un peu à découvert. D'ailleurs, il y a un tir d'artillerie qui nous arrive dans la tronche et qui, heureusement, n'est pas tombé dans le compartiment de l'équipage. Loïc qui décide de rebrousser chemin. Et c'est là qu'on regrette que les artis ne font plus de contre-artis, parce que les deux artis alliés, les deux artis de Loïc, elles étaient côte-côte. Et si les artis, tout à l'heure, elles étaient en train de viser Loïc qui était juste à côté des artis alliés, donc si elles avaient un peu insisté, elles auraient vu les départs de tir des artis alliés et elles auraient pu faire très mal aux artis alliés s'il y a eu de la contre-artie. Mais malheureusement, la contre-artie n'est plus rentable dans World of Tanks. Vaut mieux faire du tir sur des chars plutôt que de tenter de la contre-artie, parce que la contre-artie, ça prend du temps et pour pas grand chose de dommages la plupart du temps. Par contre, gros problème pour Loïc. Son équipe, ils sont plus que deux chars, lui et un object 704, et les deux artis, alors qu'en face, il y a toujours deux artis et il y a quatre chars. Donc le double de chars par rapport à l'équipe de Loïc. Un char sur le côté, Loïc qui va tenter le tir, Loïc qui met le tir, Loïc qui est en obus standard, Loïc qui s'est fait spotter, Loïc qui va se faire sans doute artiller du coup, Loïc qui essaye de se... protéger de l'artillerie, il arrive l'obus de l'artillerie. Ouh, là, ça a fait plus mal. Ça a fait un 741. Ah là 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 là, ça a fait mal, ça. Le canon qui est endommagé. S'il faudrait qu'il le répare, c'est bon, il l'a réparé. Le mur qui est juste un petit peu trop haut. Du coup, Cyrilou, c'était le replay d'avant. Loïc ne peut pas... Désolé, Loïc. Loïc ne peut pas tirer. Le mur est juste un petit peu trop haut. Loïc qui décide de se relocaliser, de bouger, de ne pas se remontrer au même endroit. Qui décide de reculer. Non, Loïc, tu n'es pas une artie. L'objet 704 qui est toujours présent, qui est toujours vivant, toujours debout.
Hop. Et j'espère qu'ils sont venus, Grenou. On en parlait sur le Discord dernièrement. C'est triste en fait de voir dans quel état est arrivé Renaud, le chanteur français, pas la marque de voiture. C'est triste parce qu'il est arrivé dans un tel état qu'on comprend pas ce qu'il dit quand il chante. C'est assez hallucinant. Parce qu'il y a des vidéos de ses derniers concerts qui circulent. Et c'est une tristesse de voir quelqu'un être arrivé dans cet état-là. Ouh, attention, Loïc, qui a quelqu'un dans son cul, quelqu'un qui est préoccupé par un artillerie, donc qui s'occupe pas de lui. Par contre, il a quelqu'un d'autre dans le cul aussi, c'est l'autre artillerie qui est aussi dans son cul. Loïc essaye de s'approcher pour mettre une dose sur. Il faut pas qu'il reste immobile parce que de toute façon, il y a deux artillerées averses. Ouh, il a... Ah, il avait la chenille qui était cassée, heureusement ça s'est réparé rapidement. Le corps à corps. Il essaye, le char ennemi qui essaye de circle Loïc. Loïc essaye de se défendre comme il peut. Loïc qui réussit à faire sortir le 752, une artillerie adverse. Attention aux tirs à bout portant des artilles qui sont terriblement efficaces, qui sont totalement OP. Il a tiré. Oh, il a loupé! Non! Il a loupé! Loïc a loupé. Attention, on a aussi un STRV qui s'approche. STRV qui s'approche, l'article a réussi, qui a tiré aussi, qui a pas fait trop de dommages à Loïc. Loïc est en train de recharger, qui est resté en obus standard. L'artillerie qui vient vers lui, l'artillerie qui a dû recharger. Attention de ne pas trop reculer parce qu'il y a l'article. La deuxième artille qui est toujours en position, qui vient de rater. Mais on a aussi un WZ qui est présent. L'artille qui vient de louper son tir. Loïc est en train de charger. L'artille qui s'avance. L'artille qui va tenter de mettre un tir à bout portant. Le STRV aussi s'approche. L'artille qui a loupé son tir. L'artille qui se fait éliminer. Le STRV. L'STRV qui va tenter un tir sur Loïc. Mais le STRV qui a totalement loupé. Loïc qui reste dans une position en contrebas. De manière à couvrir son bas-ventre. Ouh, il a loupé le tir sur le STRV. Par contre, le STRV est venu le ramer et a perdu de la vie dans l'opération. Mauvaise opération du STRV qui aurait dû rester à distance. Il vise le spot. C'est bon. Il a réussi à faire sortir le STRV. Il nous reste deux chars. Le chasseur de chars qui est dans le cap apparemment. Et l'artillerie adverse. Ah, ça c'est un poteau, Loïc. Bienvenue au club. Je connais cette sensation. Très frustrante. Le moment où la musique épique est dans ta tête et le poteau apparaît et la musique épique s'arrête d'un seul coup. Le chasseur de chars qui l'attend. Attention. Il se met en position de sa scripting pour essayer de déclencher le tir du chasseur de chars, ce qui a marché et ce qui a permis de faire peu de dégâts sur le blindage de Loïc. Et Loïc qui maintenant n'a plus qu'une artillerie à zigouiller, à détruire, à éliminer, à traiter, comme disent les professionnels et ou les agriculteurs. C'est les pros d'Arma, les pros comment ils s'appellent, de squad et tout ça, qui utilisent ce mot-là, traiter, pour déshumaniser la cible. Apparemment, ça vient de l'armée. J'ai toujours trouvé ça rigolo, parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était des agriculteurs qui parlaient de, qui étaient en train de jouer quand ils disent ça. Petit aparté. Alors que il nous reste 56 secondes, est-ce que Loïc a fait la bonne opération en allant chercher l'arty? Parce que si l'arty a pris ses jambes à son cou, elle est plus rapide peut-être, certainement vu que c'est une arty française, elle doit être plus rapide que Loïc. Et du coup, elle a... Est-ce que Loïc va sortir? Loïc ne tente pas le cap, en même temps est-ce qu'il avait le temps de cap? J'ai pas regardé. Dans tous les cas, il lui reste 30 secondes à Loïc pour trouver l'artillerie. Est-ce qu'il a fait la bonne opération? J'ai peur qu'il ait fait la boulette et qu'il... sa volonté de détruire la dernière artillerie. Ouh, mais non, parce que la dernière artillerie est gentille et vient à sa rencontre. Oh, merci. Merci, petit guette, d'être venu à la rencontre de Loïc. Ça a permis à Loïc de remporter la victoire. Sinon, c'était foutu. Et oui, il a été chanceux, comme il dit dans le chat, Loïc.
Loïc qui nous ramène la Master, la Pascucci, la Kolobanov, la Guerrier qui nous aura fait du 4594 de dommages, 7 kills, 1373 d'expérience, qui aura bloqué 1270 de dégâts grâce à son blindage, qui n'aura pas fait de dégâts par assistance, mais qui aura rapporté quasiment 130 000 de crédits. Très jolie partie de Loïc qui termine cet épisode de Vos As par Balles. J'espère qu'il vous aura plu. Et n'oubliez pas le message de ce début de Vos As par Balles. Ne soyez pas haineux sur les jeux vidéo. Ça ne sert à rien. Réservez votre haine pour des choses beaucoup plus importantes. Ne perdez pas des énergies pour des choses si futiles. Allez, sur ce, les gens, sur ce message un peu bisounours, à la prochaine. Portez-vous bien, faites attention à vous. À plus.